Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica dans le noir. Alors, l'aurora est par là, on a vu des choses par là. Alors, je vais mettre la lumière. Tant pis. Wow, j'ai bien fait de la mettre. Oh putain. La zone des proutes. Alors, sachez que je suis à la recherche d'autres bouts de l'aurora, chers amis. Ça scanne pas, ça? Non. Wow, bonjour. Oh merde. Je crois que je suis allé voir dans celui-là, je crois. Y'avait rien, hein. Y'avait rien, je crois. J'ai déjà fait celui-là. Ça me dit quelque chose. On va allonger un petit peu les... l'aurora et les radiations. Et voir ce qu'on peut trouver. La zone des proutes. Un homme à proutes. Radiation détectée, on s'en va. On va essayer de l'élonger, chers amis. L'objectif, ça va être de l'élonger un petit peu. Ok. On va essayer de chercher aussi un petit peu un diamant. Ce serait cool. Plomb, c'est pas ce que je cherche. 42 secondes encore. Oh là, lag, parce qu'on découvre une nouvelle zone. Je pense que c'est ça, hein. Honnêtement, chers amis, je pense que c'est ça. Et radiation. Donc on retourne là-haut. D'accord. Si j'avance pas, même si je suis en position de remonter, il l'utilise pas. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Drôle de formation, mais pourquoi pas. Nous sommes à combien ? Moins d'un kilomètre. J'ai pas allé à... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de l'aurora. Ok, on va respirer un petit peu. Et on va aller voir ça. Faut absolument qu'on y trouve quelque chose d'intéressant. Qui s'appelle l'habitat, chers amis. Qui sera véritablement la pièce maîtresse de nos futures constructions. Ok. Là, je vois un truc, un coffre. Putain, radiation détectée. Qu'est-ce que c'est que ça? Radiation détectée. Ok, j'ai pigé. J'ai pas le droit d'y aller. Il y a des nouveaux poissons, n'empêche, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est bizarre. J'ai pas le droit d'y aller pour le moment, donc faut vraiment falloir qu'on fasse une tenue anti-radiation, finalement. Ça va être une... Wow, salaud! Allez, je remonte, t'inquiète. Ok, bon. C'est pas la méga forme. Je trouve pas ce que je cherche. Ce qui est assez embêtant. Vu que vous m'avez bien dit qu'apparemment les... J'ai loupé. Bonjour. J'ai vite de récupérer les bouts de mon vaisseau, s'il te plaît. Ça me fait plus loin pour aller les chercher après. J'essaye de construire ma base le plus rapidement possible, malheureusement. Je ne suis pas aidé. J'ai eu peur que ça explose, ce truc. Vous savez, les machins qui font boum. Bon, j'ai des couilles, mais... Combinaison de plongée renforcée. Bon, c'est toujours ça de près. Une. De l'or. Ça, je peux pas l'ouvrir tout de suite, c'est gigantesque comme vous avez pu le voir, hein, mais... Oui. Ah putain, plus que 10 secondes, ça va, on est pas trop profond, mais... J'ai pas fait attention. Et le jour se lève. Ok. Bon bah je sais où on va aller. Je regarde juste si je trouve pas le deuxième bout de notre armure. Inventaire plein, d'accord.
Débris métallique. Je vois rien. Je vois rien. Bon, bah, on va voir l'île. Hein. Je pensais pas la trouver aussi vite, honnêtement. Et je pense pas avoir énormément de temps devant moi en termes de d'hydratation. Sauf si on y trouve ce que je veux. Alors, normalement, voilà. Donc, ça, chers amis, c'est du endgame, hein, normalement. Enfin, je pense. Je vais appeler ça du endgame. C'est une île sur laquelle il y a des choses aliens. Des bestioles, hein, comme on dit. Je vérifie quand même. Alors là-dedans, il y a quelque chose ou pas? C'est quoi? Magnétite. Ok. Schéma débloqué. Si tu veux. C'était quoi? Véhicule, boussole. Fusil à stade. Putain! La sale bête! Merde, c'est pas ce que je voulais faire. T'es où? Ah! T'es où? Viens voir! Viens me voir! Qu'on rigole deux secondes! Dégage! Putain, t'es un œil en fait, d'accord, j'ai pas capté que t'étais ça. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'or, d'accord. Ok. Un diamant? Non! Non, j'ai pas cette chance! Oh putain! Vous trouvez un diamant, souvenez-vous que le diamant il nous appartient en fait en vrai. Ok, non, si j'ai le diamant je rentre. Je rentre où? Je rentre où? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je sais que sur ces îles là, sur une des îles il y a de la bouffe. Tiens, il y a mon meilleur ami qui a un texto. Ouais, sur une des îles, il y a de la bouffe. Alors, le problème, c'est que j'ai pas un nombre de coups illimité avec ce couteau. Voilà, merci. J'ai pas un nombre de coups illimité avec ce couteau et... Merde, non, je veux l'utiliser, excuse-toi. Et j'aimerais le garder. Donc, je dois pouvoir monter par là. Je pensais. Artefact de pourpre, d'accord. Étrange, effectivement, oui. Moi, ce que je cherche, chers amis, c'est des habitations humaines. Puisque je sais que sur ces habitations humaines, il y a de la bouffe. Et dans cette bouffe, il y a des choses qui sont réutilisables, replantables et bouffables. Ah bah, bien, bravo. Bah oui, suicidez-vous tous, ça vous ira bien. Tiens, je m'enfuis, vous savez quoi? Je m'enfuis. Je m'enfuis. C'est tout noir dans le coin. Je veux... Oh putain, vous êtes nombreuses. Hein. Cassez-vous. Cassez-vous. Alors je sais que maintenant il y a des dégâts de chute, il n'y en avait pas pendant un temps dans le jeu. Je peux grimper par là encore un peu. Le problème, c'est que je sais pas s'il y a toujours les trucs humains. Je sais que pendant un temps, il y a eu des trucs humains, chers amis. Je ne sais pas s'ils y sont encore. Et j'ai pas l'impression. Oh putain. Je tombe dans l'eau directement là ou pas? Ouais. Si ça me tue, je te tue! Ça me tue pas, parfait, cool. Cool. Wow! Toi, je sais pas ce que t'es. Fragment de moteur de cyclope. Oui! Allez, dépêche-toi. Alors, le cyclope, chers amis, c'est... C'est l'amour.
C'est l'amour de la technologie condensée en une seule machine. Et ça va être dur à trouver, je peux vous assurer. Ouh! Ouh, je m'en vais! Je m'en... Non, je veux m'en aller! Non, s'il te plaît! C'est vert. Merde, je suis plein. Chier. Vous remarquerez la qualité de ce commentaire. C'est vert. Non, casse-toi, 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 casse-toi. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Alors j'ai bien envie de le visiter, chers amis, mais on n'a pas, à mon avis, le niveau requis, si je puis dire. Oups. Bon, je sais que, vous voyez, regardez. Insérer l'artefact. Ah, ça pourrait être... c'est pas tant un problème de niveau si on n'a pas les ressources nécessaires. Vous voyez, on a deux doigts de tomber en désuétude vis-à-vis de... Merde, je me trompe toujours de touche. De notre eau. Et ça m'emmerde, on est à 1400 mètres de la maison. Moi, à la base, j'espérais tomber sur l'autre île. Normalement, il y en a une deuxième, hein, je crois. Qui, elle, comporte des choses bien plus intéressantes pour nous en début de partie. Allez, on y va. Par contre, si on peut tomber sur plus de choses au niveau de l'aurora, des débris d'aurora qu'on n'a pas, et tomber sur l'habitat, ça m'intéresse. Ça m'intéresse énormément. Hello! Alors là, il y a quelque chose. Là, il y a forcément quelque chose. Débris métalliques. Ah non. Oh, j'aurais cru que c'était quelque chose d'intéressant. Merde! Il y a de la musique aussi. Allez comprendre. Là, non. Là, j'ai pas envie d'y aller du tout. Bizarrement. Je sens que j'ai... Vous avez pas encore vu, vous. Vous me manquiez pas. Oxygène. Et on y retourne. J'ai vu qu'il y avait une caisse à côté. Canon à propulsion, ça m'intéresse. Merci. Une sur deux. Raté. Ah, le deuxième est juste à côté. C'est quoi? C'est de l'or? Ça doit être de l'or. Le deuxième doit être juste à côté. Je devrais pas être là. Je sais que je devrais pas être là. 127 mètres de profondeur. Oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'es inquiète. Alors là, je joue au con parce que je gaspille énormément de sea glide. Allez. Il est pas loin, l'autre bout il est pas loin, chers amis. On le sent, hein. Il pue du cul un petit peu sur les bords d'ailleurs. Wow, tu sors de la terre, toi, je t'ai vu. Wow. Ah putain, on est trop loin. Là, faut que je rentre, chers amis. Faut que je rentre parce que je suis dans la merde en termes de déshydratation. Désolé. Je suis dans la grosse, grosse merde, même d'ailleurs. Là, je vais survivre que grâce à l'énergie restante de mon. De mon Sea Glide. Ça pue royalement du cul. Et j'ai aucun air sac dans la poche. Je tiens à le rappeler. Et j'ai un inventaire plein. Allez, on y retourne. Faut que je chope des air sacs au passage et faut que je me remette à respirer aussi, ça peut être sympa. Air sac ! Air sac ! Air sac ! Air sac ! Ça marche pas, hein. Oh putain ! Air sac. Radiation détectée, mais fais pas chier avec tes radiations. Ersac. Ersac. Je crois que je l'ai eu. Non, il est là. Ersac. Ok.
On a ce qu'il faut en termes d'airsac, on rentre. De toute façon, on n'est plus très très loin. Et il va falloir que je fasse une pile. Pour changer la pile de mon... Alors j'espère que c'est des piles. J'espère que c'est des piles. Pour mon Seaglide, parce que je suis plus qu'à 11%. Ok. Fou. À boire. Donne-moi à boire. Oh, boussole, d'accord. À boire. Donne-moi à boire, te dis-je. Crac, c'est bon. On est sauf. On est sauf, on est sauf, on est sauf. Je me permets, je me permets, je me permets. Ok, bon. Du coup, on n'a pas trouvé grand-chose, hein, malheureusement. Ça pue du cul. Je vais prendre ça, merci. Puis, tu sais quoi, je vais le consommer tout de suite. Hein. On n'a pas trouvé grand-chose dans ce que je recherche, en tout cas. Ça pue un peu du cul. Faudrait que j'ai une carte pour savoir à peu près dans quelle direction je vais, parce que sinon je suis baisé, mais je peux pas en avoir pour le moment. Et j'ai pas envie d'en utiliser une via internet. Soyons honnêtes. Donc je vais prendre... deux comme ça. Ok. Je vais faire une pile. Comme ça j'ai de quoi... Putain, j'avais aussi mon outil. Ah bah je peux le faire tout de suite. Je le fais. Faut qu'on retrouve l'autre porte. Vous savez, il y avait une porte qui était fermée. Faut qu'on trouve l'autre porte. Putain, je sais plus par où c'est. Je crois que c'est par là. Hein. Non, c'est pas par là parce que l'Aurora il est là. Donc c'est à l'opposé. Je crois que c'est derrière. Ça. Alors je sais, je me balade avec un inventaire qui est toujours quasi plein. Je devrais pas. Je vais avoir une barre nutritive sur moi de toute façon dans le pire des cas, donc de ce côté là je suis safe. Voilà, je crois que c'est derrière celle-ci. Je crois que c'est derrière cette forêt là, on avait vu un truc. Oui, alors ça m'inquiète parce que si je vois le jeu charge... C'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. On a trouvé. Alors, PDA. Outil de réparation. Le cutter, il est où? Le cutter, il est où? Le cutter. Là. Crac. Allez, bois un coup. Enfin, respire. Bois un coup, tu l'as déjà fait. Oula, bonjour. Je me demande si on peut se faire une ville dessus. Enfin, un truc dessus, un bâtiment dessus. Casse-toi, 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 casse-toi. C'est bon. La fille qui a rien dans les caisses quand même, mais apparemment non. Yo! Alors il paraît que c'est très très long, on m'avait dit. Ah oui. Ah oui. Je suis à 100 mètres de profondeur, je remonte. Ah putain, je suis coincé dans la... Vous voyez pourquoi? Respire. On y retourne. Si ça me dit qu'il faut que je reprenne à zéro, je... Ah merde. Je suis con. Si ça me dit qu'il faut que je reprenne à zéro, je l'ai vraiment profondément dans le fion. Putain, je vois plus les marques. Non, c'est bon. Ouh. C'est la fête. Ok. Wow. Je crois qu'il y a un truc qui... C'est quoi ça? Bioréacteur. Putain, c'est pas ce que je recherche. Il y a une deuxième porte. Il y a une deuxième porte. 30, t'as dit? J'en compte pas 30, moi, des secondes, là. Il m'a... Vous avez vu, il m'a dit 30, il t'a affiché à 19. Vous avez remarqué? Si ça c'est pas pute. Changer source d'énergie. C'est bien une pile hein.
sélectionner bouton gauche. Bah. Ajouter pile. Mais j'en ai fait une pile juste avant. Putain, je suis certain d'avoir fait une pile. Bon, bah, oxygène. Qu'elle soit devant moi. J'avais fait une pile pourtant, non? Je l'ai quand même pas lâché. Ah, je suis persuadé d'avoir fait une pile. Je suis persuadé d'avoir fait une pile. Bon, on y retourne. Ça va être beaucoup moins drôle. On va faire ça comme ça. Putain, y'a une porte là. Marcus ouvre les yeux quand même. Ça va plus. Le bioréacteur, je l'ai déjà. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos signaux. Mais putain, mais... Et je suis mort. Je vais mourir bêtement, chers amis, parce que le jeu m'a dit 30 secondes. Oh putain. Alors le jeu me fait des coups de pute. En me disant 30 secondes, et il m'en reste que 20. Ce jeu est une péripatétie pute. Et la porte, je viens de l'ouvrir. Mais qu'il est con. Peut-être pour ça qu'il veut à chaque fois que j'ouvre ces portes-là comme ça. Parce que finalement, quand j'ouvre les portes, elles se referment derrière moi. Allez, dépêche. Dépêche, 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 dépêche. Que j'ai au moins un coup d'œil dedans. Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Bioréacteur, 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 bioréacteur. Ok, on se taille. On taille, 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 on taille. Donc, ce qui me manque, c'est l'habitat. Ce qui me manque, principalement, c'est l'habitat. Et le problème, c'est qu'en pleine nuit, ça sert strictement à rien. C'est joli dans le coin. N'empêche. Ça lag à mort, mais c'est joli. Parce que donc je suis pas encore allé techniquement. C'est ça que t'es en train de me dire, jeu? Qu'il y a des choses à chercher dans le coin? Parce que si c'est le cas, faut me le dire. Hein. C'est profond. Oh, c'est profond. Oh, j'aime pas ça. Ok, bon, c'est pas grave. Ouf! Putain, j'ai pas réussi à le voir. Oui, oui, bah là, tu te trompes pas quand tu me dis 30, hein. Bah merde, et tu veux bien, Bah. Alors, je sais que je peux vous bouffer, vous, hein, faites pas chier, hein. C'est parce que je suis. Mais c'est quoi ce bordel? Bah là c'est bon, là il veut bien là. Il voulait pas tout à l'heure. Ok. T'inquiète pas, je vais bouffer des calories hein, mais... Faut que tu me laisses le temps de rentrer à la maison avec mes... Ma pêche, littéralement hein. Ok, c'est bon. On va faire de l'eau déjà.
C'est bon. Pour l'instant, j'ai pas envie de partir là-dessus. Je déteste qu'on se foute de ma gueule. Surtout quand c'est qu'un poisson. Alors là, par exemple, je sais que je vais pas pouvoir bouffer les trois. Ah, je peux bouffer les trois. Cool. Bah écoute, tant mieux. Donc, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance parce que je trouve pas l'habitat. On est où dans l'épisode, chers amis? 25 minutes. Oh là là. J'ai pas l'impression qu'on aura fait grand chose. On n'aura pas trouvé ce que je recherche. Ce qui m'embête assez. Des poissons qui volent. Ok. Bah écoutez, chers amis, du coup, nous on va se laisser là pour cet épisode. Je pense qu'on en a fait quand même un petit peu en termes de découverte. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Donc vous pouvez être le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça marche pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Ça y est, j'y suis arrivé. Salut.